Hello, hello. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, de retour de vacances, frais, dispo et bronzé. Oui, comme j'avais un petit peu anticipé le contenu, j'ai essayé de pas démarrer trop à l'heure et puis on verra si le Mac veut faire des blagues, mais il a l'air de bien aller là, donc on va voir. Je vous raconterai, j'ai encore pas tout testé. Aurélie, Philippe et d'autres ont partagé une astuce qui permettait de réduire la consommation. Visiblement, il y a un problème dans le driver vidéo qui consomme beaucoup dans le Mac quand on met un écran externe. Sauf que visiblement, ça dépend du connecteur pour l'écran externe. Parce que hier, j'ai fait un test. En fermant le laptop, j'obtenais sans le hack la baisse de consommation. Et là, j'ai une autre installation quand je suis à la maison et je pense que je vais être obligé d'utiliser le fameux hack. Donc pour être précis, ça passe de 18 watts de consommation avec l'écran externe et sans bidouille. Et si on fait un petit truc, on passe à 4 watts. Donc la différence n'est pas du tout négligeable. Donc voilà, on va voir si le Mac décide de blaguer. Mais sinon, je vous ai pas fait un slideshow de mes photos de vacances, mais ça aurait pu. J'en ai mis assez sur le Discord. Donc on va commencer. Hop! On va commencer par le lien pour ceux qui souhaitent nous rejoindre sur le Discord. Voilà. Et puis, malgré ce que j'avais prévu, j'ai quand même rajouté une petite section, on va dire, news. Je vais commencer avec Monk Makes, qui vient de... Alors, ça date d'il y a 2 semaines, je pense, mais qui fait un peu de promo autour de ça en ce moment. Ils viennent de lancer leur petite chaîne. Alors, je vais vous partager ça, même si on va pas regarder les vidéos ensemble non plus. Voilà, Monk Makes. Ils font des produits autour de tout ce qui est micro-bit. Ils ont des jolies extensions. Je sais pas si, toc, si j'avance un peu. Voilà, ils ont des connecteurs pour avoir un speaker. Il y a un capteur, un certain nombre de capteurs sur une carte, voilà, un display de type segment, 7 segments. Et puis ils ont aussi des vidéos, parce que c'est intéressant, ils ont un capteur pour qualité de l'air et ils ont fait une vidéo dédiée. Donc je trouve que c'est des produits qui sont plutôt sympas et puis eux aussi. Et que leur chaîne, on va dire, débute, parce que je vois qu'ils ont 94 abonnés. Donc là, tac, salut Monk Mex, on s'abonne en direct. Faites pareil chez moi, évidemment, abonnez-vous à ma chaîne, abonnez-vous au Twitch. J'y gagne rien, mais ça me fait plaisir. Donc je voulais vous partager cette petite chaîne, ma foi. Et puis... Ah, je vois qu'il y a une nouvelle explication sur Calm. Alors dorénavant, c'est la centrale d'achat locale pour makers. Ouais, ça peut le faire. Ça peut le faire aussi. Tu vois, Kong, j'ai commencé par mettre le lien du Discord. J'ai été sage aujourd'hui, j'ai commencé dans l'ordre et tout, hein. Donc là, c'était la petite news, hop, la petite chaîne YouTube que je voulais vous partager. Et ensuite, je voulais rapidement vous parler un petit coup encore de Godot. Il y a une Godot Jam qui a lieu, qui a lieu en ce moment pour la partie Game Jam en elle-même. C'est-à-dire, ils ont donné une thématique et puis il s'agit de faire un jeu. Mais ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est que du coup, sur ce site, ça a commencé avant la Game Jam et ça va continuer un petit peu après. Il y a toute une succession de vidéos faites par différents acteurs autour de Godot, en fait, où ils vont exposer leurs opinions, leurs idées, faire des démos. Et il y a pas mal de choses alors, dans celles qui sont enregistrées, j'en ai regardé quelques-unes, elles sont déjà très bien. Et je sais pas ce que ça va donner, j'ai pas eu le temps de voir le. Il y a un platformer qui a été créé en live, donc ça sera sûrement mieux fait qu'avec mes connaissances où je patauge un peu quand je vous montre des trucs. Je vous conseille d'aller y jeter un œil, c'est plutôt bien fait. Voilà, dans le programme, ce qu'ils appellent le main event, c'est parce qu'ils font du 24 mai au 6 juin, où ils expliquent ce qu'ils mettent dans la Game Jam en l'occurrence. Ça y est, j'ai déjà oublié le thème. Bref, ça va jusqu'au 3 juin pour soumettre les jeux. Et il y a plein d'intervenants. Et je crois que je venais de voir. Non. Si, Canopy Games. Alors je sais pas ce qu'ils vont faire, hein, le 31.
Donc voilà, si vous voulez vous cultiver sur l'univers autour de Godot, il y a plein de petites choses à apprendre quand vous aurez le temps, puisque c'est mis en replay sur une chaîne YouTube, donc je trouve ça pas mal du tout. Sinon, le cœur de ce que je voulais vous montrer, donc j'ai reçu d'ailleurs hier un doc un petit peu plus sympa pour quand je veux faire du Fuse 4 sur la Switch, pour coder en basique Fuse 4 sur la Switch. J'ai un truc un peu plus sympa que le gros bloc du doc standard Nintendo. Je vous montrerai ça bientôt. Et à côté de ça, j'ai refait un petit tour. Je ne sais plus comment j'ai rebondi sur ces liens-là, comme d'habitude. On ne sait pas comment on y atterrit, mais on sait qu'on n'arrive plus à en repartir. J'ai fait même quelques essais, de nouveaux outils pour ceux qui aiment faire des jeux dans des environnements déjà un peu pensés pour. Je vous ferai une rapide démo de Roblox, que je trouve très bien fait, mais très typé sur les jeux qu'on peut réaliser avec, enfin en tout cas selon mon opinion. Mais je voulais d'abord vous parler de quelque chose de plus intéressant, parce que complètement open source et avec la volonté de bien forcer ce que ça soit open source. Je voulais vous parler de Quadplay, qui vient a priori d'atteindre la bêta 68, mais je crois que même ça doit être la release 1.0. Est-ce que c'est sous peu? Non, c'est la bêta 68. Mais pour moi, c'est carrément une 1.0. Donc là, je vais vous mettre le lien hop, sur le GitHub, parce qu'il y a vraiment tout dessus, y compris le plus important, à savoir la doc et les exemples, que je trouve extrêmement bien fait. Je vais vous lancer ça tout de suite. Donc là, c'est le repo GitHub. Ils expliquent comment l'installer. Moi, j'ai pris le parti de, comme c'est encore en bêta, de l'installer en clonant le repository. Vous savez faire maintenant que vous avez suivi les émissions sur Git, pour me maintenir quand il fera les mises à jour des versions futures. Donc je vais hop, hop, vous lancer ça. Je l'ai revérifié tout à l'heure. Ça devrait démarrer. Pardon. Donc c'est le cumul de ce qu'on peut trouver dans Pico 8, savoir une fantasy console, c'est-à-dire un environnement artificiellement constraint, avec une résolution pas forcément élevée, avec des choses comme ça. Mais là, il est allé plus loin, c'est-à-dire que quand on lance, là vous avez sous les yeux la totale, à savoir, donc là c'est un exemple qui est fourni avec, il y en a d'autres hein, bien sûr. Mais vous avez le petit IDE pour développer. Vous pouvez développer en dehors. Ils fournissent, j'ai halluciné, un plugin d'entrée de jeu là dès maintenant. On peut coder dans Visual Studio Code. Il y a tout ce qu'il faut pour avoir la coloration, la syntaxe, tout ça. C'est vraiment bien fait. Et donc ce petit IDE avec les fichiers du projet, le code. Donc là, ce que vous voyez, c'est le descriptif du projet. C'est un petit fichier JSON qui va décrire un peu. Bah, toutes les ressources que vous utilisez, les éventuels copyrights, qui a fait quoi. Voilà, parmi les modes, après on peut même avoir un mode là, qui ressemble à comme une petite console. Et puis on peut bah, lancer. Voilà, on lance le. Là c'est une démo où il montre qu'on peut avoir un petit personnage ninja qui peut sauter, qui peut avoir des attaques, qui peut voilà, avoir un mouvement accroupi et qui se met à ramper. Alors c'est intéressant parce que là j'étais en train de le faire au clavier. Il faut savoir que par défaut il gère aussi tout ce qui est manette de jeu. Donc là je sais pas s'il va le reconnaître. Si, à la volée. Donc là, toc toc, peut-être la débrancher. J'ai une manette PS, je ne sais combien, PS4 celle-ci, même si j'ai pas de PS4, j'aime beaucoup ces devices. Et avec, eh ben, on peut voilà, toc, piloter le jeu. C'est reconnu dans les modes de contrôle de jeu. Et il y avait voilà, l'attaque, et je sais plus, c'était L, je crois. Voilà, ils ont même pour vous montrer qu'on peut. Voilà, c'est ça. Il y a différents types, une flèche pour l'attaque à distance. Donc il y a un certain nombre d'exemples fournis déjà. C'est déjà plutôt intéressant. Toc. Essayez de mettre, si vous mettez les commentaires, je me le mets sur l'écran à côté en même temps. Voilà. Et vraiment, ce que j'ai. Alors, le côté petite console, c'est super sympa. Le côté fantasy console, j'aime bien.
Le petit environnement de développement, le fait qu'il y ait VS Code, je trouve ça très bien. Cerise pour moi sur le gâteau, c'est que le langage utilisé, alors ils appellent ça Pixel, donc PyXL, c'est clairement une réinterprétation un peu de Python, donc moi ça me va bien. C'est ce genre de code que vous allez avoir, et surtout, 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 que ce soit depuis le GitHub, depuis leur site ou depuis le produit, on accède directement au manuel de jeu. Donc ça tourne, ça fait tourner un serveur, on peut y accéder avec. C'est un browser, hein, c'est une application dans le browser. Leur doc est juste hallucinante pour. Voilà, ils vont sortir la 1.0, ils ont déjà une doc avec absolument tout dedans. Des jeux inclus, donc on peut déjà jouer à plein de jeux qui sont accessibles directement. Des exemples plus ou moins complexes. J'avais dû cliquer sur celui-là. Ouais, voilà. Le starter est encore plus simple, hein, mais ça vous permet de bien piger. Je vais vous le montrer. Tac. Voilà. C'est juste. On a un personnage qui peut se déplacer juste gauche-droite et puis une balle qui rebondit. Un titre. Enfin, les bases pour démarrer un jeu sont là. Oui, c'est ma machine perso. En fait, le script que j'ai lancé tout à l'heure, c'est un script Python derrière qui lance un petit serveur local sur lequel, en fait, on se connecte. Mais c'est tout en local, en fait. Et là, j'ai oublié de cliquer sur là-dessus. Voilà. C'était pour vous montrer. Donc là, l'exemple est vraiment très très simple. Voilà, avec très très peu de code. Il y a le concept dans le jeu que j'ai trouvé assez intéressant et qu'on a de toute façon dans tous les frameworks de jeu, on est obligé soit de le faire soi-même, soit c'est implémenté. Là, ils ont fait ce choix-là. Il y a ce qu'ils appellent les modes, qui sont en fait la représentation d'état de votre jeu. Donc il y a des états qui sont standards et vous pouvez en rajouter vous. Ça représente la machine à état en gros de votre jeu. Et par défaut, il y a les états principaux. Donc l'état principal, c'est play. L'état donc qui est exécuté au lancement du jeu. Il y a un état pour quand on quitte le jeu, enfin il y a plusieurs états comme ça. Et puis l'état frame, le mode, pardon, frame, j'ai traduit par état parce que c'est une machine à état derrière. Et frame, c'est juste ce qui est exécuté en fait à chaque fois qu'il rafraîchit la boucle du jeu. Donc là, il a fait, c'est peut-être pas forcément exactement comme je l'aurais fait, mais peu importe. On voit qu'à côté, on a aussi les assets qui sont inclus. Il faut savoir qu'il y en a qui sont fournis de base. Notamment ce petit astronaute, vous le connaissez peut-être si je reviens dans la documentation qu'on avait tout à l'heure. Voilà, documentation qui tourne aussi en local, mais vous l'avez sur le site. Si je vais dans la partie assets, je crois que c'est à la fin. Ça y est, je sais plus où ils sont évidemment. Il y a vraiment toute une liste de sprites, voilà, built-in assets. Toute une gamme de sprites. Alors il y en a qui sont connus, hein, les Kine Blocks. C'est des choses que vous allez trouver dans d'autres frameworks que j'avais déjà trouvé par le passé, dans des frameworks LUA, des frameworks HTML. Donc voilà. Soit par grande map de sprites, soit des maps un peu plus individualisées. Les références que vous avez là, après, elles sont utilisables comme des ressources dans le jeu. C'est aussi simple que. Alors là, je ne peux pas vous le montrer comme ça. On va partir de l'outil lui-même pour faire un jeu vide. Hop, pour vous montrer ici donc tout ce qu'on peut importer ou créer, que ce soit des assets, des documents. Alors la documentation est incluse dans le jeu, comme une ressource de jeu. Je trouve ça super marrant. Voilà, donc vous avez tous les assets préexistants avant même d'en importer, ou vous pouvez importer des fichiers à vous. Et donc pour savoir, là c'est un peu le truc qui manque encore un peu, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait une petite fenêtre de visualisation pour les sprites et une possibilité d'écoute pour les sons. Mais toc, ce sont des choses que vous allez trouver dans la partie doc. On a accès à tout ça. C'est-à-dire que là vous avez la visualisation des différents sprites. Vous avez aussi des fontes qui sont fournies. Pour faire des backgrounds, vous avez un peu de tout, et vous avez aussi toute une partie assez riche de sons. Et là, vous pouvez les écouter un par un pour savoir ce que vous allez pouvoir en faire. Donc, c'est un énième outil et framework, mais je trouve l'approche
Alors c'est pas, oui, ce qui est important, c'est que la personne qui réalise ça, tac, si je reviens ici, vous allez tomber sur quelqu'un qui fait beaucoup de livres, de cours autour de tout ce qui est programmation graphique. Et c'est pas, voilà, c'est pas un inconnu et ni un débutant de tout ça. C'est, j'ai trouvé ça super bien fait. Est-ce que c'est Casual Effect, son site? Ouais, je pense, voilà. Donc je vous invite à aller voir toutes ces autres réalisations, donc McGuire, voilà. Il y a d'autres ressources, Turtle Script. Il avait déjà fait une première Fantasy Console qui s'appelait Nano Jammer, et celle-ci, il a voulu repartir sur d'autres bases un peu plus poussées. Et je trouve que c'est vraiment impressionnant le travail fourni pour la release, quoi. Pour une fois, on en parle régulièrement sur le Discord, on a des exemples de différents types de jeux qu'il suffit de lire et éventuellement de recopier, de réimporter. On peut déjà avoir accès à tout, plus une documentation complète de toutes les API. Je trouve que c'est vraiment, vraiment bien fait. Je pense que c'est assez récent, parce que le forum, il y a encore très peu de choses. Donc je pense que ça devrait bien, bien donner. Donc voilà. Voilà pour Quadplay. Je vous ai mis le lien. Je vous invite évidemment à aller regarder ça de plus près. On va fermer ça. Voilà. Et puis, bah, je voulais quand même, comme on en avait parlé sur le Discord, je suis allé jeter un œil à Roblox. Donc Roblox, c'est visuellement quelque chose qui serait une espèce de petite évolution par rapport à Minecraft, puisqu'il y a un peu des choses un peu plus arrondies, des formes un peu plus complexes. Mais dans l'idée de ce que j'en ai vu pour l'instant, par exemple, quel que soit le jeu que vous faites, le personnage sera un personnage, un avatar. On peut pas, je sais pas, avoir un vaisseau ou un truc comme ça. J'ai pour l'instant, après, il faut customiser éventuellement l'avatar, mais c'est beaucoup plus complexe d'entrée de jeu. C'est quand même fait pour, voilà, des jeux où il y a un personnage qui se balade dans un monde en 3D. Néanmoins, j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de jeux, donc on peut utiliser Roblox comme une source de jeu, hein. L'univers Roblox, j'ai pas creusé, je suis pas très fan de ce qu'ils se font derrière, mais il y a une espèce de monnaie interne, le Roblux ou un truc comme ça. Enfin bref, on peut publier ces jeux pour qu'ils soient payés par les gens qui souhaitent l'acheter. Sinon, c'est. Oups. Il y a un outil qui s'appelle Roblox Studio qui vous permet de faire vos propres jeux. Que j'ai trouvé plutôt sympa, même si il y a plein de choses qui. Alors, évidemment, je le lance, il me dit qu'il y a une mise à jour. Non, c'est bon, il va accepter de se lancer. Et ouais, j'ai trouvé qu'il y avait quand même quelques. La gestion de la caméra dans l'éditeur est quand même pas super super et des choses comme ça. Alors en ce moment, Stadia a l'air de faire un peu le même esprit avec Creta. C'est un environnement de jeu, Creta, je suis pas allé voir, on regardera juste après, ça, ouais, ça m'intéresse. Bah Stadia, ils ont quand même intérêt à pousser des manières d'avoir du contenu sur leur plateforme, parce que c'est un peu le désert quand même. Il y a quand même. Alors, on peut aussi reparler au passage de Shadow PC qui va, suite au rachat avec OVH, bah, on va enfin rentrer. Si on veut que l'entreprise vive, il faut qu'il soit un vrai tarif. Et les 15 balles par mois, clairement, c'était pas vivable. C'est un autre débat. Mais oui, par rapport à Stadia, on a quand même une vie à GeForce où il y a quand même beaucoup plus de jeux, même si clairement ils y sont pas tous, ce qui est parfois désagréable quand on aime les petits jeux indés. Creta.com. On va regarder juste après Roblox. Je vais pas vous faire de toute façon un truc mirifique. Est-ce qu'il a gardé? Ouais, voilà, je vais vous montrer. J'ai suivi. Il faut que je retrouve le tutoriel que j'ai suivi qui était vraiment bien fait. C'est Alvin. Alors, ouais, je vais vous le faire tout de suite. Alors, déjà, dans l'ordre, je vous mets le lien. Hops, je suis très confiant, Alex, sur ce qui va se passer entre OVH et Shadow en l'occurrence. Je pense qu'ils ont la bonne approche si on veut le service. Un service qui fonctionne, une fois de plus, un service alors, français, européen, et non pas un GAFAM de plus dans la boucle. Je pense qu'il faut leur laisser le temps de s'installer, même s'ils vont aller sûrement chasser sur les terres du marché professionnel dans un premier temps. Je pense que leur approche est la bonne. Donc, je vous ai mis la home de Roblox, et je vais
rajouter tout de suite. Alors c'est Alvin, ouais, Alvin Blocks. Voilà, tac, je vais vous mettre le lien, c'est lui. Tac, et j'ai commencé avec quelle était la playlist. Donc là je fais le malin, j'ai pas mes lunettes, mais les vacances ne m'ont pas rendu la vue. Hein. C'est un truc récent. Oh, je sais même plus lequel c'est. Je vais vous mettre la chaîne et vous déciderez ce qui vous intéresse si vous avez envie de creuser ce qui se passe avec Roblox. Salut Yonker. Tac, voilà. Et voilà, ce que je voulais vous montrer, c'est l'outil. Alors, tac, je vais l'ouvrir en un peu plus grand. Donc, on a une espèce de monde là. Donc, avec la caméra, je zoome, je dézoome. Il y a des manières de déplacer et de faire des rotations. C'est le point que je trouve le plus fragile. C'est pas génial. Même s'il y a une interaction clavier, voilà, c'est au clavier là par exemple. Donc, on va dessiner. Alors là, c'est un spécial dédicace. Hop. Je vous ai rajouté un caddie pour faire les courses parce qu'on est sur calme et qu'on aime bien faire des achats. Si j'avais pu changer l'avatar, l'idée c'était de vous faire un jeu où le personnage se déplace sur cet ensemble de plateformes, mais le personnage serait un caddie de chez Calm. Donc là, dans le jeu, en fait, tout part avec un système de pièces, de parts. Vous avez quelques parts qui sont spécifiques, à savoir le petit bloc que vous avez là. C'est un module qui permet de faire apparaître un joueur, soit au début du jeu, soit si vous avez un système après la mort du personnage, il réapparaît, une spawn location. Et vous allez dessiner, donc si je clique sur une des formes, puisque là j'ai utilisé des, des blocs et des sphères, mais vous avez aussi des wedges et des cylinders. Vous voyez, donc là j'ai une forme ici. Hop, on va essayer de zoomer un peu dessus. Et vous avez plusieurs modes, des modes de déplacement. Donc là, ils reprennent le système de flèches qu'on a aussi dans des éditeurs comme celui de Unity ou de Godot, qui permettent de déplacer selon des axes précis. Vous avez un mode qui permet de faire des changements de géométrie, hop, comme ceci. Vous avez le mode avec la touche Shift appuyée qui permet de garder les proportions de chacune des dimensions. Enfin, bref, vous avez quand même de quoi éditer vos ensembles et on est déjà quelque chose de plus avancé que ce qu'il y a dans, par exemple, un Minecraft. Et vous savez très bien qu'avec Minecraft, on peut déjà aller vachement loin quand même. Voilà, il y a des propriétés de couleur, il y a des propriétés de dynamique de l'objet, savoir s'il est fixe dans l'espace ou s'il réagit à la gravité. Il y a tout un tas de choses qui sont gérées pour le jeu. Par le jeu, enfin par l'environnement par défaut, c'est plutôt pas mal. Dès que le jeu se lance, on a un système de chat qui existe par défaut de toute façon avec les petits emotes, parce qu'on peut danser dans le jeu, enfin les classiques dans ce type de jeu. C'est déjà fourni en fait dans l'environnement Roblox Studio. Après, vous pouvez bloquer certaines features si vous ne les voulez pas. Mais voilà, le tuto dure 20 minutes. Moi, le temps de lire et de faire des pauses de temps en temps, il m'a fallu une bonne demi-heure. On peut faire un petit jeu que je vais vous lancer là, en essayant de pas trop me péter la gueule pendant que j'essaie de jouer. Voilà. Donc ça compile un certain nombre de ressources. Et après, éventuellement, vous renseignez les informations de votre compte et vous pouvez publier votre jeu. Donc là, je suis dans un mode où j'ai pas lancé le vrai truc de jeu. Mais voilà, quand je vous disais qu'il y a le chat ici, c'est que si vous décidez de faire un jeu multijoueur, ça va déjà marcher en fait. C'est déjà prévu. Donc après, je sais plus, c'est slash dance, je sais plus, voilà. Donc voilà, vous avez déjà des comportements de jeu d'origine. Voilà. Donc sinon, il y a déjà là, voilà, on peut sauter, c'est déjà toutes les actions de base sont prévues. Si jamais vous sautez dans un trou là, ben vous mourrez. Et au bout d'un certain temps que vous pouvez programmer, vous allez réapparaître sur le spawn. Donc voilà, il y a vraiment toutes les mécaniques d'un jeu. Voilà, essayez de pas se gourer, et voilà, évidemment, j'ai laissé un trou trop grand à cet endroit-là. Ouais, c'est pas mon type de jeu, hein, c'est clair. Je voulais vous montrer la suite, c'est pas très grave, c'était pas très intéressant, vous le verrez dans la vidéo. Là, par exemple, il y a des blocs de lave, je vais quand même vous montrer ça pour vous montrer qu'il y a quand même un truc intéressant là-dedans. Donc c'est une géométrie comme je l'ai faite.
Te moque pas, Bbox, te moque pas. On se fera un Counter-Strike, un de ces quatre, je pense qu'on va se marrer. Et donc, les objets peuvent avoir des comportements par le biais de scripts qui leur sont rattachés. Et donc, c'est du LUA avec les API du jeu. Et là, par exemple, ce type de code, c'est juste, on utilise donc le script, on lui dit de regarder sur le parent étant le bloc en lui-même. Le bloc a une vie propre dans le moteur de jeu, par exemple, s'il est touché, ça déclenche l'événement touched. Le touched devient un objet qui a un certain nombre de méthodes. Quand on veut gérer ce qui se passe sur un événement, il y a la méthode connect sur laquelle on va mettre une fonction de réaction. On a un bet if. On cherche à savoir le bloc qui a touché, qui s'appelle hit. On lui demande si il est humanoïde. Humanoïde étant le nom en fait donné au player. Je ne sais pas pourquoi ils ont choisi humanoïde, mais bref. Et si c'est le cas, on fait break joint, qui est une façon de désassembler, c'est horrible, désosser le joueur de tous les joints du personnage. Et il se trouve qu'il y a la nuque, et quand la nuque est désossée, ça fait perdre le jeu. J'ai trouvé l'explication dans le tuto absolument délicieuse. Donc voilà la gueule que peut avoir Roblox. Il y a par exemple le caddie que je vous ai montré, c'est parce qu'il y a des ressources qui sont accessibles directement ici. Vous pouvez en importer, en designer, il y a un certain nombre de formats acceptés. Voilà, moi je suis pas super fan du fonctionnement de l'éditeur lui-même. J'aime moyen, enfin tous les types de jeux que j'ai vus se ressemblent globalement pas mal, même s'il y a des gens qui ont réussi à faire des choses vachement intéressantes et avancées. C'est pas le genre de truc que j'ai envie de faire, donc j'y passerai pas plus de temps, mais je voulais quand même y jeter un œil. Mais je pense que je vais donc j'ai reçu mon socle pour la Switch, donc je vais refaire du Fuse 4 et bientôt là, bientôt le 11 juin qui approche à grands pas pour le Game Builder Garage, je sais plus dans quel ordre les mots, de chez Nintendo. Donc je vous ferai sûrement ça et sûrement des vidéos aussi. Puis je vais vraiment tourner des vidéos, je pense au moins pour Fuse 4, les bases, parce que je trouve que c'est quand même intéressant d'avoir un produit sur Switch un petit peu intelligent. Donc voilà, et puis ben Quad Play, je vais suivre, je sais pas si j'aurai du temps à lui consacrer, mais je trouve que c'est un très beau produit. J'adorais Pico 8, mais là je trouve que c'est vraiment c'est le cran du dessus, c'est beaucoup plus agréable à utiliser, c'est vraiment super bien foutu. Ça m'a fait aussi, par le biais des tweets de Casual Effect qui fait le produit, ça m'a fait rebondir à nouveau sur que j'ai mis dans le Discord un produit avec un écran, un clavier intégré, une Raspberry à l'intérieur qui permet de faire une petite console de ce type-là. J'ai mis ça dans les potentiels achats des mois à venir, on verra ce que ça donne, ça serait une bonne combinaison. Et sinon, on a dit qu'on allait jeter un œil à. De toute façon, c'est l'admi, hein. On va pas faire une émission qui finit à l'heure, hein. Faut pas déconner, hein. Donc, creta.com. Ah oui, j'ai vu passer ça l'autre jour et je n'ai pas accordé plus que ça de temps. Oui, effectivement, je l'ai vu. Donc, Creta permet de créer des jeux et ressemble un petit peu au studio. Tu as raison, Bbox ressemble aux bases. Oui, d'accord, ok. Eh bien, je ne te remercie pas parce que j'ai encore beaucoup de choses à faire en retard, évidemment. Que ça soit dans le perso ou dans le boulot, donc j'ai plein de choses à faire, mais ça, je pense que je vais aller y jeter un œil. Notamment pour savoir. Ah, c'est basé sur l'Unreal Engine. Bah, si c'est une simplification par-dessus l'Unreal Engine, ça peut être pas mal. Éventuellement. Et Bbox, c'est juste, ça a vu passer la news ou si t'avais. Oui, bah ouais, c'est toujours ta faute. De toute façon, ça peut pas être la mienne. Je vais trouver quelqu'un qui sera responsable du fait que je perds mon temps, évidemment. Ouais, je sais pas, du coup j'ai pas creusé, donc je sais pas plus que ça. Qu'est-ce qu'il y a dans Create? Est-ce qu'on peut. Hop. Mais je vais aller y jeter un œil, donc si c'est lié à Stadia, ça vaut le coup d'aller jeter un œil, savoir quel est le lien. Je vois que c'est lié à Epic surtout. Mais Stadia aussi. Ok. Eh ben je vais pas parler d'un truc que j'ai pas regardé, j'en ferai un petit tour. Ouais, sur Stadia, je sais pas. Bon, j'ai toujours le Shadow PC pour l'instant. Je pense que je vais le maintenir pour moi. On en a parlé avec mon fiston qui avait aussi un abonnement. Et là, c'est clair, on va pas prendre deux abonnements à 30 balles par mois.
Et vu l'orientation de ses études, je pense qu'on va racheter un PC local. Moi, je verrai si je le garde ou si je le garde pas, c'est pas encore sûr. Bon, comme j'ai dit tout à l'heure, je respecte tout à fait le choix qui a été fait par OVH. Ça évitera les désagréments d'une boîte qui coule comme Shadow PC, qui était clairement en dessous du prix de ce qui leur permettait de vivre. Mais du coup, j'ai aussi à côté de ça, donc l'avantage de Shadow PC, je le rappelle, c'est que c'est un PC virtuel. Par défaut, la première offre, on a 250 gigas de disque, donc ça permet déjà d'installer pas mal d'applications et de jeux, et surtout d'installer ce qu'on a envie, puisque c'est un vrai Windows qu'on a sous la main. Alors que les produits type Stadia ou donc que je ne connais pas, j'ai pas essayé, je connais que de nom et de news, mais Nvidia GeForce Now permet de jouer à des jeux depuis leur client, qui est une virtualisation aussi, mais uniquement aux jeux qu'ils ont référencés eux. On connecte sa librairie par exemple Steam et ça permet de jouer aux jeux qu'on a achetés par le biais de ces plateformes-là. C'est pas mal, franchement c'est pas mal. Moi j'avais pris là quand ils avaient leur offre fondateur, donc j'ai dû payer 27 euros pour 6 mois et je crois que c'est renouvelable encore. Donc c'est pas cher du tout, pour le service que ça rend, franchement c'est génial. Maintenant Stadia, tout ce que j'en sais c'est que le catalogue est encore plus pauvre. Donc déjà, Nvidia GeForce, bon, il y a beaucoup de titres, mais il n'y a pas tout. Mais alors, Stadia, c'est quand même un peu le désert. On entend le vent siffler. J'espère qu'ils s'amélioreront, hein, ça peut être que bien. Et je serais curieux de voir, justement, pour en revenir à Shadow, si ils ne lancent pas une offre de ce type-là, qui, à mon avis, permet d'être beaucoup plus agile sur ce qui est fait avec les Shadow PC. Et juste lancer les jeux, en fait. Et je pense que ça libérerait un peu du temps de ressources machines. Donc peut-être qu'ils se lanceront ça dans un deuxième temps, je sais pas trop, hein, je suis pas devin. Mais ouais. Oui, c'est ça, quand t'es fondateur, c'est à vie, ouais. 27 euros tous les 6 mois. Et pour l'instant, je trouve que c'est l'offre. C'est le meilleur rapport qualité-prix qu'il y a sur le marché, parce qu'il y a quand même un très beau catalogue de jeux accessibles. Après, ben voilà, je sais pas si je vais pas garder encore un peu le Shadow, parce qu'il y a quand même des jeux que j'aime bien qui sont pas présents. Et même si on les demande, soit c'est des jeux qui sont trop petits, donc ils atterriront jamais chez Nvidia, soit c'est le grand souci, c'est comme tout ce qui est les offres, quand on veut pas pirater et qu'on veut être bien honnête, il y a 12 offres à prendre 12 abonnements, ça coûte une fortune, c'est ridicule, et ils se battent entre eux avec des exclusivités débiles. Tout ce qu'ils obtiendront, c'est que ça fera comme pour Netflix et compagnie, les gens arrêteront de s'abonner et recommenceront à pirater, ça sera bien fait pour leur gueule. J'espère que les plateformes de gaming vont arriver à quelque chose d'un peu plus raisonnable, mais c'est pas gagné. Donc ouais, j'irai voir Créta. J'irai voir Créta parce que c'est, ouais, j'ai toujours aimé créer des petits jeux à droite à gauche, même pour mon petit plaisir à. Je continue Godot, j'ai pas lâché, j'ai toujours mon tuto que j'avance là. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'ai un coup de cœur. Ça s'explique pas. Je lance Godot, je suis bien, je passe un bon moment. Je sais que ça paraît bizarre de dire qu'on code et qu'on passe un moment, mais c'est le cas avec Godot, ce qui est moins le cas avec par exemple Roblox, ça me fait pas cet effet-là. Je me sens. Je sais que derrière il y a cette histoire de vente bizarroïde avec des Roblox, enfin j'aime pas trop l'approche, puis j'aime pas trop l'environnement. Mais bref, donc bah ouais, je pense que je vous parlerai de Creta bientôt. Je vais y jeter un coup d'œil. Dans les choses à venir, il y aura des vidéos sur Fuse. Il faut vraiment que je me botte les fesses et puis que je les enregistre et que je fasse ça proprement parce que je trouve que c'est cool. Dans les choses à venir, on va tout faire pour que ce soit possible. Je vais refaire des petites interviews et j'espère qu'on trouvera un créneau horaire. Je pense que ça sera le cas. Ça sera peut-être pas le même créneau horaire. On essaiera de faire venir Kong qui vient nous parler d'un peu de Laura. Et autre sujet de ce type, on va essayer aussi de trouver, je pense, un créneau qui convienne, ce qui devrait bientôt être le cas avec Alex pour parler rétro-computing, électronique et Russie. Il n'y a pas de raison. Et bonjour Charles, il n'est jamais trop tard pour arriver. Bonjour zéro tous, ben, bonjour à tous, on va dire. Donc voilà, je ne vais pas vous faire de la pub pour Créta plus longtemps. Hop. On va revenir sur ma sale tête pour vous dire au revoir. Voilà, je suis ravi. Ça m'a fait du bien ces quelques jours de vacances, mais j'ai été content de vous retrouver. N'hésitez pas, je remettrai le lien, bien entendu, comme d'habitude,
sous la vidéo YouTube pour que vous puissiez rejoindre le Discord si vous le souhaitez. A priori, tous ceux qui sont venus ne sont pas repartis, donc ça doit bien se passer. Et n'hésitez pas, si vous avez rejoint le Discord, je sais qu'il y en a certains qui restent très silencieux et très timides, ce que je peux comprendre, mais n'hésitez pas. C'est pas parce que Bbox il parle beaucoup que les autres n'ont pas le droit à la parole. Et puis ben, je vais vous souhaiter une très bonne journée. Beau soleil ici aussi, ma foi. Et puis je vous tiendrai au courant sur le Discord, sur le Discord et sur Twitter, de savoir si lundi c'est une émission avec un horaire décalé pour faire l'interview ou pas. Je vous tiendrai au courant de ce qui est faisable. En attendant, passez une excellente journée et semaine. Salut!